Le tri à la source des biodéchets ménagers sera bientôt généralisé dans toute la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, un projet pilote est lancé dans 22 communes, dont 4 dans le sud Komoué, à savoir Grand Bassam, Bonoua, Abouasso et Assini. Piloté par l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, le projet a été présenté aux acteurs à Grand Bassam. Donc l'ANAGED se chargera de mettre à la disposition de ces ménages des sacs poubelles de couleur noire et des sacs poubelles de couleur bleue. En plus de ça, nous avons des partenaires de collecte des déchets qui passeront dans ces ménages pour collecter les déchets et on a une unité de valorisation. Au total, 11 000 ménages sont concernés par le tri des déchets à la source. Pour mener à bien le projet, des éco-ambassadeurs chargés de former les ménages ont reçu des kits. Les ménages sont spontanément proposés également pour accompagner la ANAGED et vivre cette expérience. Nous faisons les ensembles géométriques et aussi pour les hôtels et autres, nous faisons des plaques des hôtels. Nous faisons également des sous-tasses, nous faisons également des potes-savons. Selon la ANAGED, le succès de l'expérience menée lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 a inspiré l'extension et la pérennisation de ce projet aux 22 communes ivoiriennes, dont 13 à Abidjan. Après Grand Bassam, le projet sera lancé dans les villes d'Assini, Bonoua et Abouasso dans les jours à venir.